conférence qui s'est déroulée à Lyon le 3 juin 2016 sur le thème « La santé durable, l'avenir pour votre santé », organisée par la Chambre nationale des professions de la santé durable et l'Association pour une fondation santé durable, s'est déroulée dans le cadre prestigieux du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. 6 conférences organisées par des membres de la Chambre nationale des professions de la santé durable. Cette journée a été organisée par Dominique Chardon. 6 conférenciers se sont succédés à la tribune. La journée a été introduite par Madame Anne-Laure, conseiller régional. La première conférence a été présentée par Pierre Valenzac, spécialiste en environnement et santé durable, sur l'importance capitale de l'environnement sur votre santé. La seconde conférence a été présentée par le docteur Bénédicte Dassonville, médecin généraliste nutritionniste, sur le thème de l'importance de l'alimentation pour prévenir un cancer. Maria Anna Simonet, docteur en biologie et nutritionniste, a présenté comment l'épigénétique vous permet de maintenir ou retrouver votre santé et l'intérêt de la micronutrition. Le docteur Agnès Legras, chirurgien dentiste, est intervenu sur le thème « La bouche, porte d'entrée du système digestif, terre d'accueil ou zone de conflit ». Guy Roulier, ostéopathe ex-kinésithérapeute DE, a présenté une conférence sur « Comment lutter contre le vieillissement ». Pour clôturer cette journée, le docteur Michel Delorgeril, chercheur au CNRS, expert en cardiologie et nutrition préventive, membre de la Société européenne de cardiologie, a présenté la diète méditerranéenne, ses impacts positifs sur la santé, le cholestérol et la prévention cardiovasculaire. Des extraits des conférences sont à votre disposition sur notre chaîne YouTube. Rendez-vous sur YouTube. Tapez Santé durable pour accéder à l'ensemble de nos vidéos Santé durable ainsi que sur celles créées par nos partenaires. À bientôt pour nous contacter santédurableorange.fr. N'hésitez pas à visiter notre site chambreprofessionsantédurable.fr.